Salut et bienvenue pour ce nouveau vlog en mode solo au golf d'Opio Valbonne. Je vous retrouve dans quelques instants pour partager 9 trous à mes côtés sur ce magnifique golf. Je m'excuse de la qualité du vlog car j'avais personne pour me filmer, alors vous ne verrez pas les zooms sur les balles comme d'habitude. Bref, si ça te plaît quand même, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, bon visionnage à tous. Ok les amis, je vous retrouve pour le départ, trou numéro 10 d'Opio Valbonne. Là on a un arbre plein milieu du fairway qui est à 240 mètres. C'est un trou qui fait 338 mètres, on va essayer de le jouer en fade par là pour revenir milieu fairway et rester à gauche pour avoir l'ouverture facile pour l'attaque de green. Allez c'est parti, je vous retrouve pour le départ. Bon voilà, premier shot un peu échappé à droite en cut. Je vous avais dit que je voulais finir à gauche pour me laisser l'ouverture. Là du coup j'ai quand même l'arbre en jeu. Je vais essayer de la jouer plutôt tendue. On a un drapeau qui est juste là à 131 mètres pour l'attaque du mât. Donc on va essayer de faire un petit coup punché pour pas se prendre les branches juste là. Bon bah je me suis fait punir par mon shot, par mon petit fade. Allez c'est parti. C'était plutôt un shot bien touché, par contre je me suis trompé de canne. J'avais 131 mètres, j'ai joué un fairlead, j'avais le vent portant. Je voulais un peu la puncher basse. Bon bah je vais avoir une approche, dommage. On va avoir une approche, allez, on y croit. Bon voilà, je suis un peu derrière le green. Ma balle est là, le drapeau est là et on vient de là. On va faire une petite approche au 54. Je vais la poser, à mon avis mon point de chute va plutôt être 2 mètres après l'entrée du green. J'espère qu'elle va rouler tranquillement jusqu'au drapeau. Allez, c'est parti. Bon écoutez, la petite approche putt qui fait du bien. Donc là je vous retrouve au départ du 11. Un par 3 quand même assez dangereux de 161 mètres au drapeau. Là où vous pouvez voir, excusez-moi, à droite que bah, c'est mort. Donc là, vraiment le jeu, pour moi, ça va être de rater à gauche. Donc je vais jouer un fer 6 en fade à 161 mètres sur la gauche, en espérant qu'elle tienne le côté gauche du green et qu'elle ne s'échappe pas à droite. Voilà. Allez, j'espère pouvoir faire le shot qu'il faut. Écoutez, plutôt un shot correct, qui n'est pas parti en fade du tout, plutôt droite, léger draw même. J'espère qu'elle sera sur le green, je vous retrouve tout de suite dessus. Bon voilà, un fer 6 assez honorable qui finit à hauteur de drapeau. Là vous avez, enfin j'ai un putt en descente, ça ne se voit pas à la caméra mais il est complètement en descente. Bah putt pas du tout fantastique, enfin j'ai un putt de 80 cm, ce que j'aime pas pour le par. Allez, on va essayer de rattraper cette petite erreur. Bon bah malheureusement ça sera un bogey très laid, je vous l'accorde. Allez, départ du 12. Ok, départ du 12 par 5 de 440 mètres dogleg gauche. Là on va essayer de driver dans le coin juste ici pour ensuite pouvoir avoir une chance peut-être d'essayer de choper le green en deux pour attraper ce petit bogey malencontreux. Allez, c'est parti. Aïe, je me suis tapé une petite branche, ça a ralenti grave. Je suis ultra court. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai touché une petite branche. Malheureusement, ma balle a fini à gauche du coup. Un peu court, parce que là du coup, je n'ai aucune ouverture pour attaquer le green qui est complètement tout là-bas. Donc on va jouer un fer 7 milieu fairway par cet arbre pour se laisser un troisième shot assez facile. Allez, c'est parti. Bon, je suis encore plus enfermé que je le pensais au niveau de l'ouverture pour l'attaque de green. Donc là, va falloir que je fasse un fer 7 en draw pour pouvoir la ramener sur le fairway. Ok, complètement foiré. Elle est partie toute droite en push. Donc je me retrouve sur le fairway d'à côté. Bon, les amis, je suis vraiment mal. Vraiment très très mal. Le green est là-bas, derrière les deux petits arbustes que vous pouvez voir. Là, vous avez le drapeau. Là, j'ai toute cette rangée d'arbres à passer. Ma balle est là. Écoutez, là, ce qu'on va essayer de faire... Ça va être de jouer à gauche du green en fade. Hein.
Là vous pouvez voir que le green est plutôt large sur la gauche. Et sur la droite, bah, il n'y a que le drapeau. Donc avec tous les arbres que j'ai ici, je vais essayer de la cutter et de la ramener vers la gauche. J'espère avoir la hauteur nécessaire, je vais jouer un coup de pitch. Il me reste 110 mètres au drapeau. Allez, c'est parti, on y croit. Écoutez, je pense que c'est pas mal. On va aller voir le résultat tout de suite. Bon bah voilà, plutôt content de mon shot. La balle s'est un peu éclatée dans le green comme vous pouvez voir. J'avais dit que je terminerais à gauche, hein. Il fallait que je prenne le moins de risques possible. Donc on va s'assurer un petit putt pour le par. On doit être à 8 mètres du drapeau. On va se rapprocher, c'est parti. Ok, départ du 13, un par 4 de 360 mètres des blancs. Le fairway est juste là. Je pense qu'on va essayer de le driver. On va le driver en draw. Parce que au pire, je fais un push. C'est pas très grave. C'est assez ouvert à droite. Par contre, il faut vraiment pas que je fasse un cerf sur la gauche. Je le sens bien comme ça, un petit drive en draw. Ah, écoutez, le draw est sorti. Je pense qu'elle est pas mal. Elle a fini un peu à gauche. J'espère qu'elle est restée sur le fairway. Au pire, je serai un peu dans le rough. C'est pas grave, on va voir ça. En fait, je suis pas mal du tout. Le draw est parfait, est passé parfaitement. J'avais complètement l'ouverture en fait sur la gauche. Je pensais pas que c'était aussi ouvert. Enfin, je m'en rappelais pas surtout. Donc là, je me retrouve pour un shot de 80 mètres au mât. J'ai le souvenir sur ma visite que on a un green en montée sur l'entrée du green. Et donc on va essayer de la jouer court. Entrée, là on voit la bosse. Donc on va essayer de la jouer court au drapeau pour pouvoir avoir un putt facile en montée à 80 mètres. Donc je vais utiliser mon 54. Ok, oubliez tout ce que je vous ai dit, je suis long sur le green. Et donc ma stratégie de jouer court, comme vous pouvez le constater, est complètement tombée à l'eau. Hein. Ma balle est là. Le drapeau, il est là, donc j'ai un peu merdé sur la profondeur de mon approche. Il va falloir assurer le putt pour le par, parce que là, je suis pas sorti de l'auberge, comme on dit. Bon voilà, un super putt agressif, comme on peut dire, donc complètement loupé. Oh, le miracle! Le petit miracle, sauvetage de par. Comme vous connaissez ma faculté de putter exceptionnelle avec des stats du tour. Les golfiteurs, je vous retrouve pour le départ du 14. C'est un par 4 de 384 mètres, dogleg gauche. Handicap 1 sur le parcours, donc on est sur le trou le plus difficile. On va essayer de driver là, sur la droite, en cut, pour se laisser l'ouverture pour le deuxième shot. Bon bah voilà, un drive parfait en cut, je suis pas mal, enfin je suis sur le fairway quoi. Bon écoutez messieurs dames, je suis pas mal du tout, je me retrouve plein milieu de fairway et j'ai un drapeau à 127 mètres. Voilà, c'est pas mal du tout. Là l'option stratégique, je pense que ça va être de choisir de rater sur le côté gauche parce que là c'est là où on a plus de green à travailler, donc je vais la jouer en fade. Au pire elle restera à gauche et au mieux elle revient sur le drapeau. Eh bien ma foi, c'est un shot qui est revenu parfaitement en fade vers le drapeau, un peu court malheureusement. Bon, je suis plutôt content, hein, on va pas dire le contraire, j'ai pas envie de planter les drapeaux non plus. 80 cm ce serait pas drôle. Donc là on a un putt pour 2 mètres pour birdie, en montée, avec je pense un droit de gauche assez prononcé. Allez, on y croit pour le bird. Come on. Ouh. Oui, très content de ce petit birdie qui vient de tomber. Allez, on continue, c'est parti. Et départ du 15, un par 4 de 338... Ah, un par 4, excusez-moi, de 338 mètres en dogleg droit. Nous avons le bunker en face qui est à 260 mètres entrée. Donc, je pense qu'on peut prendre cette ligne tranquillement sans tomber dans le bunker. Là, c'est quand même ultra ouvert pour la retombée de drive. On va en profiter pour faire le plus de distance. Allez, ligne de jeu en fade sur le bunker. Bon, celle-là était pas folichon, elle est restée un poil à gauche, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Oh bah voilà, hein, un peu à gauche.
pas grand chose, pas trop risqué. Le drapeau est là, j'ai un coup en montée à 133 mètres. Léger vent portant, je pense. On va sortir un fer 8. Je vais le jouer en cut. Parce que je le sens bien comme ça. Me demandez pas pourquoi, bordel. Hein. Bon bah c'était une jolie gratte, comme on les aime. On va essayer de rattraper ça. Ah, ma magnifique gratte. Bon écoutez, on est à 25 mètres du drapeau. Je vais essayer de la poser entrée de green, la faire rouler jusqu'au mât, pépère. Et essayer d'assurer le par. Bon au pire ça sera bogué, hein, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, l'approche était un peu longue, un peu à droite. J'avais un bon touch pourtant, c'est dommage. Wow. Bon écoutez, ça rentre aujourd'hui, hein. C'est pas tous les jours comme ça, vous avez pu le voir plusieurs fois dans les vlogs que ça rentrait pas tous les jours. On va profiter de ce jour de grâce pour fourrer des potes. Allez, on continue. Ok, départ du 16, alors là, falloir franchement envoyer de la patate les enfants. Parce que c'est un par 4 de 430 mètres. Le drapeau est tout au fond là-bas. Je pense qu'il va falloir vraiment envoyer une énorme mise en jeu pour pouvoir avoir un deuxième shot pour attaquer le green. Assez concret, pas sortir un bois 3 en deuxième shot, ça serait abusé. Donc le fairway est plutôt large, hein. Il y a moyen je pense vraiment d'avoiner. On va l'avoiner en draw, allez, on y croit. Bon, ce que je craignais est arrivé, j'ai envoyé un cerceau à gauche. Je vais voir, elle a touché un arbre, mais je pense pouvoir la retrouver. Elle était pas autant à gauche que ça. Ça va pas trop pénalisant le petit cerceau à gauche. Il y a cet arbre qui m'a ramené la balle sur le fairway. Faut bien un peu de chance, hein. Par contre, là, les amis, j'ai un shot de 198 mètres au drapeau. Là, avec le bunker, le shot est juste injouable. On va essayer de la poser là, sur le côté droit du green, et la faire rentrer de ce côté-là. Bah écoutez, ça va être un fer 4 pour ma part. Il est vraiment très tendax ce shot, mais c'est vraiment un très long par 4. Hein. Allez, c'est parti. Ah, je suis un peu dégoûté les amis, j'ai joué un fer 4 parfait en draw. Je crois qu'il n'allait pas arriver sur le green, mais ouais, c'était une canne de plus quoi. Il y avait le vent contre qui est arrivé, je m'en suis pas rendu forcément compte. Bon écoutez, bon, on a un petit bruit de fond, hein, je suis désolé, mais il faut bien que les gens préparent, les jardiniers préparent le terrain pour la compétition, ce qui est tout à fait normal. Donc big up à tous les jardiniers de France, hein, d'ailleurs, hein. Salut les gars, pour le travail que vous faites, c'est monstrueux. Voilà, c'était le petit mot gentil pour les jardiniers. Donc on se retrouve pour le troisième shot, donc comme je vous ai dit, un peu court, je vais la jouer en approche roulée au 50. On va essayer de la pousser, de la faire pitcher 1 ou 2 mètres après l'entrée du green, et elle ira tout seul au drapeau. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Bon, malheureusement, je l'ai un peu topé, cleanette. Elle est longue. Allez, c'est pas grave, c'est la vie. je suis touché par la grâce des dieux aujourd'hui, hein. C'est pas mon jeu habituel, je sais pas ce qui se passe. Je rentre tout aujourd'hui. Bon écoutez, c'est une belle journée de fourrage de putt pour aujourd'hui. C'est vraiment pas tous les jours comme ça, je vous le confirme, hein. Je ne sors pas ce genre de jeu tous les jours. Là je suis plutôt content, j'arrive à sauver des trucs insauvables. Donc c'est plutôt cool. Il en faut des journées comme ça pour qu'on se fasse plaisir au golf, et vous le savez. Donc je vais savourer chaque instant de cette partie en espérant que les prochains trous sont toujours aussi faciles. Ok les amis, je vous retrouve pour le départ du 17. Ça va être la même longueur que le trou précédent, mais en par 5. Donc 430 mètres par 5, il est vraiment, mais alors vraiment, vraiment tout droit. Donc le drapeau est là-bas. Hein. C'est vraiment une occasion de birdie facile si on arrive à envoyer un gros drive pour avoir un deuxième shot en dessous des 170 mètres. Donc va falloir y aller. On peut tenter le green en deux si le drive suit par derrière. Bon voilà, petit drive en cut, elle était pas très bien touchée, donc je vais quand même avoir un long shot en deuxième coup. Tant pis, c'est la vie, c'est un par 5, c'est pas grave. Bon bah voilà, hein, je me retrouve sur le fairway. Avec un peu de chance, pas trop dans le rough. Le shot pour le drapeau est à 192 mètres. Donc bon, finalement, ça va. Même si c'était pas le meilleur contact de l'année, on va s'en contenter. Pour un par 5, c'est plutôt pas mal. On a une chance de le choper en deux. Donc on va le tenter au fer 4, comme tout à l'heure. Allez, go!
À droite, toute. Bon voilà, un magnifique Fair Cat Push Slice qui finit complètement à droite malheureusement. Donc là vous avez ma balle en fait, là vous voyez. Là vous voyez l'olivier qui est là, et bien le drapeau il est derrière, là. Écoutez, il doit me rester quoi, 45 mètres au drapeau. On va là, je pense pas que la hauteur de l'olivier soit un problème, hein. Je vais jouer un 54 et on va essayer de la poser. C'est de la poser 5 mètres entrée de green et en espérant qu'elle roule jusqu'au drapeau. Allez, c'est parti. De toute façon, ça va par 5. Il faut juste le mettre en régule dessus. Après, on prend ses deux potes tranquillement et on rentre à la maison. Voilà la petite erreur. Hein. Je t'ai dit que je voulais la poser 5 mètres entrée de green, mais je l'ai vrai. Au dernier moment, j'ai regardé le drapeau et je me suis dit que j'allais planter le mât. Donc, je tombe à hauteur. Je suis pas encore sorti de l'auberge. Bon, j'ai un putt normalement qui devrait pas être très compliqué. Je vais la putter, hein, je suis sur la fringe. Pas grand de soucis. Donc, pour assurer le par. Très mauvais putt. Agressif. Bon, vu que c'est mon jour de gloire, je devrais normalement le rentrer assez facilement celui-là. Après ce que j'ai fait quand même. Ah non. Bon voilà, fallait pas déconner non plus, hein, j'allais pas être touché par la grâce toute la partie. Bon, ça fait un petit boguet. Allez, dernier trou, je vais en faire que 9 parce que là, il fait une chaleur à crever, je vous fais pas dire. Donc je vous retrouve pour le départ du 18 d'Opio Valbonne les amis, c'est parti. Voilà les amis, arrivé au départ du 18 d'Opio Valbonne, à part 3. J'ai 133 la bébuche pour le drapeau. Green avec beaucoup d'ouverture sur la gauche. Donc là, je vais encore jouer un coup en fade. Je vais jouer un coup en fade pour, dans le pire des cas, je rate à gauche. Quand même un gros dénivelé, 133 mètres. Je vais tenter un coup de pitch en fade. J'espère que ça ira sur le green. Bon, écoutez, je suis sur le green, un peu court. Mais bon, je suis dessus, c'est le principal. Donc voilà les amis, nous on vient de là, dans la forêt, départ du 18, et on se retrouve donc maintenant sur le green. Comme je vous ai dit, je l'ai joué en fade sur la gauche, donc je me retrouve un peu court. Ouais, c'est pas faux, c'était peut-être pas pitch hein, le coup qu'il fallait jouer. Peut-être un fer 9 un peu plus appuyé en fade, parce que j'ai perdu un peu de distance. Mais ça nous laisse, écoutez... Un petit putt, je pense, un petit putt, tout est un, c'est un euphémisme bien entendu, de 10 mètres. Donc on va se rapprocher pour avoir un putt pour part tranquillement après. Bon, c'était pas un putt de folie, je suis un peu court, il me reste encore 80 cm pour le par. On va essayer de finir le 18 sur un bon shot. Bon voilà, on finit plutôt sur une bonne note, je suis plutôt content. Donc c'était vraiment juste pour vous faire découvrir un super beau parcours dans le sud. J'en profite pour vlogger en ce moment parce que je me fais opérer, pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais annoncé dans un live, mais je le redis pour que ça soit un peu plus officiel. Je me fais opérer d'une hernie inguinale le 20 juillet, donc je pourrais plus jouer au golf jusqu'à ce que je rentre en formation à l'école de golf, c'est-à-dire début septembre, donc je voulais vraiment profiter De tout ce beau temps pendant la période estivale pour vous sortir un max de vlogs. Donc voilà, on retournera un peu sur des vidéos un peu plus classiques et coup de gueule et tout ça par la suite, mais voilà, jusqu'au 20 juillet je voulais vraiment vous faire profiter au maximum des vlogs. Donc voilà messieurs dames, ici s'achève le 9 trou d'Opio Valbonne du 10 au 18. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Ciao les golfiteurs. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux en tapant les golfiteurs sur Facebook et Insta et t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste là en bas à droite sur ma tête pour suivre mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt sur les greens. Ciao les golfiteurs.